Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de ça, une box 4G qui va te permettre de jouer et ou de streamer avec de la 4G. Alors, attention, ça va pas être pour tout le monde, mais je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche et tu vas voir que ça peut être la solution pour beaucoup de personnes parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouent ou même qui stream en partageant la 4G avec leur téléphone et en fait par rapport à par exemple une box comme ça, bah t'as quand même beaucoup moins de débit avec ton téléphone puisque à l'intérieur t'as une antenne qui est beaucoup moins puissante que ce que t'as avec ça. Et en plus si tu rajoutes comme moi une antenne extérieure sur le toit, là franchement ça va être vraiment top. Moi pour te dire ça fait à peu près... Euh plus d'un an que je stream grâce à une 4G box comme ça, euh, j'ai installé une antenne sur le toit, donc c'est un investissement. Tu, tu vas voir, je vais tout te faire voir dans la vidéo. Ça, c'est pas obligé. Et ça me permet de streamer en 720p, 60fps. Sachant que moi, je pense que je suis la pire configuration possible parce que je suis vraiment à la campagne. Et en plus, l'antenne est quand même assez loin parce que tu vas voir qu'il va pas falloir choisir. N'importe comment son opérateur. On va déjà déballer cette petite box. Euh, donc, c'est une TP-Link. Hein. Je ne suis pas sponsorisé. TP-Link, euh, et je vais te faire voir aussi combien elle coûte. Donc, en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est super simple. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu as la box. Box qui se présente comme ça. Ça ressemble vachement à une box internet normale. Hein. Un câble d'alimentation. Forcément, ça marche avec de l'électricité. Et des petites antennes que tu vas venir brancher à l'extérieur. Ça, c'est si tu n'as pas d'antenne. Euh, Extérieur à ta maison. Et donc, il va te suffire de mettre ta carte SIM à l'intérieur, de brancher et de rentrer ton code PIN sur l'interface de la box. Et ça y est, es connecté. Donc, moi, voilà ce que j'ai avec mon ancien TP Link, avec mon ancienne box 4G. Donc, tu vois que c'est quand même pas mal. Ça permet de jouer quand même tranquillement. Notamment, mon fils qui joue à Fortnite, il a entre 20 et 40 de ping. Donc, c'est pas mal. Par contre, si je me mets, moi, à utiliser le TP Link en même temps sur mon PC, à regarder des vidéos avec mon téléphone, etc., là, il ne va pas pouvoir jouer du tout. Donc, si tu veux jouer avec ça, va vraiment falloir que tu l'utilises exclusivement pour ça. Mais quand tu ne joues pas, rien ne t'empêche de regarder des films sur Netflix, par exemple. Nous, c'est ce qu'on fait. Rien ne t'empêche de surfer sur Internet. Par contre, attention, il va bien falloir que tu choisisses ton opérateur. Et ça, je vais te faire voir comment tu vas le choisir. Tu vois, moi, j'habite là. Et donc, si tu fais gaffe, il y a euh, Free qui est ici. Et là, j'ai Orange, SFR et Bouygues Télécom. Sachant que chez moi, avec mon téléphone, je ne capte pas la 4G avec Free. Je ne capte pas la 4G avec Orange ni avec Bouygues. Je capte la 4G qu'avec SFR et vraiment très peu. Donc, tu vois, ça ne m'empêche pas de pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est important. Vérifie que les antennes, elles ne sont pas loin. Si elles sont à plus de 2 km, pour moi, c'est mort. Tu vois, moi, je suis vraiment au maximum et ça me permet quand même d'avoir un débit pas trop mal. Et t'en as qui ont carrément des débits beaucoup plus hauts. Mais franchement, c'est pas très utile, ça sert pas à grand chose. Il va également falloir que tu choisisses ton opérateur par rapport aux offres qu'elle te propose, puisque ça veut utiliser énormément de data en 4G. Et il va falloir que tu aies, dans l'idéal, un forfait en 4G illimité. Et ça, il n'y a pas énormément d'opérateurs qui le proposent. Le mieux, c'est Free. Si tu es déjà abonné chez Free en box internet, tu as des forfaits en 4G illimité. Je crois que c'est 19 euros par mois. Donc c'est vraiment bon marché. On va dire ça, même si c'est toujours une somme. Et si comme moi, tu n'es pas abonné à SFR en box, puisque moi je suis chez Orange, et eh ben en fait, j'ai simplement demandé à un pote à moi qu'à Free qui l'associe mon compte téléphonique à sa box. Et du coup, ça permet d'avoir la 4G illimitée. Je vais te faire voir combien ça consomme et tu vas halluciner. Donc regarde, moi j'ai utilisé. 150 gigas sur le mois, sachant qu'on n'est que le 15. Donc, tu vois, c'est vraiment énorme. Donc, moi, je l'utilise entièrement pour mon PC fixe qui est là. Il tourne qu'avec ma 4G Box. Mon fils l'utilise sur sa Xbox également et j'utilise donc pour tous mes streams. C'est également pour la télé du haut de chez moi parce qu'avec mon Internet normal, on n'a pas assez de débit pour ça. Donc, j'utilise vraiment beaucoup et tu vois, j'utilise entre 300 et 500 gigas par mois. Donc si tu prends pas en illimité, tu vas vite être limité ou alors il va vraiment falloir que tu fasses gaffe. Après, l'interface du TP-Link, elle est bien faite parce que tu vois que tu peux suivre tes consommations. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller brancher donc, la nouvelle TP-Link qui est dans mon garage parce qu'elle est branchée à l'antenne qui est juste au-dessus. Normalement, ça va être quand même beaucoup mieux. Et surtout en stabilité, c'est ça qui est très important parce que la 4G, le problème c'est que ça varie beaucoup, notamment le soir. Alors là, on est le 15 août à 10h du matin. Il ne doit pas y avoir énormément de monde sur le relais. Par contre, si tu joues un samedi soir à 20h... Là, le ping, il fait quand même des zigzags. Donc ça, ça permet d'être beaucoup plus stable qu'avec le téléphone. Et avec une antenne extérieure, c'est encore mieux. Je te fais juste voir quelle antenne moi j'ai pour te donner un petit ordre d'idée. Donc la box, c'est celle-là. Tu vois, elle coûte 158 euros. Donc c'est une somme. Hein. Et l'antenne, c'est celle-là. Elle coûte 124 euros. Voilà. Donc c'est vraiment un investissement. Mais franchement, pour moi, bah, j'ai pas trop le choix. Sinon, je peux rien faire. Euh, sans ça, j'ai euh, même pas 5 mégas avec ma box Internet. Donc c'est pour te dire. Donc voilà, j'ai branché la box, j'ai mis la carte SIM, je l'ai branchée euh, au secteur, j'ai mis mon antenne et puis euh, bah voilà, j'ai Internet. J'avais juste à rentrer le code PIN de la carte SIM et ça y est, je suis connecté. Donc tu vois, ça va super vite. Et ce qui est bien, c'est que cette box, tu vas pouvoir l'emmener n'importe où. C'est-à-dire que tu vas euh, chez ta mamie, bah, tu vas pouvoir emmener ta box, tu auras ton Wi-Fi. Tu pars en camping, tu vas pouvoir emmener ta box, tu auras ton Wi-Fi. Tu pars à l'internat, tu vas pouvoir emmener ta box, tu auras ton Wi-Fi. Ça, c'est plutôt cool. Donc, franchement, c'est pas mal. Moi, pour te dire, j'avais cette box avant. Donc, c'est la version précédente. Donc, tu vois, celle-là, elle coûte 110 euros. Il n'y a pas énormément d'écart avec la nouvelle. Donc, franchement, je te conseille vraiment la nouvelle. Après, attention, ça ne sera jamais aussi bien qu'une box internet classique. Parce qu'une box internet classique, c'est toujours beaucoup plus stable. Mais pour des mecs comme moi qui ont vraiment un débit dégueu. Bah il n'y a pas trop le choix d'utiliser ça, donc franchement je vous le conseille fortement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai peut-être oublié des détails, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaie de répondre à tout. C'était Luthor, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Ciao les mecs. You see the drippy, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and get it giddy up. Secure the back, yeah, get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in. Your